Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je reviens dans cette vidéo pour vous proposer les énergies de la semaine du 8 au 14 juillet. On va prendre une carte de l'oracle de l'archange Michaël. Et à ce sujet, je vous invite ce mercredi soir à vous proposer un soin collectif de l'archange Michaël pour la protection et l'amour. Et la semaine d'après, ça sera le soin de l'archange Gabriel pour la communication et la famille. Donc cette semaine, l'archange Michaël nous invite à prendre soin de nous et à être protégés et à être entourés d'amour. Voilà, moi supérieur, moi divin. Utilisez votre moi supérieur à votre moi divin. Unissez votre moi supérieur à votre moi divin en ouvrant votre chakra maître du cœur. C'est dans ce processus de transformation que vous découvrirez la réelle identité de votre âme. Vous prendrez conscience de votre mission de vie et vous ne cesserez dès lors de renier ce que vous devez accomplir. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, peut-être que l'archange Michaël, enfin, il y a des projets pour vous et que peut-être que vous faites autre chose au lieu de faire votre mission de vie. Peut-être que cette semaine, vous allez avoir des informations sur quelle est votre mission de vie, ce que vous devez faire et si vous allez le faire. Alors, on va prendre l'oracle d'Anthony Martin pour voir un peu au niveau général. Après, on prendra l'oracle de Cristal de la loi d'attraction et on verra par rapport au tirage qu'on va faire. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, Alors, on a l'ange gardien. Ben, on est protégé. Hein, on nous invite vraiment à peut-être se recentrer sur soi-même pour voir quelle est notre mission de vie, si on est sur le bon chemin. On est protégé par l'ange gardien. Ah, il y a une histoire d'amour qui est peut-être en cours où ça va arriver. Voilà, c'est peut-être une histoire légère ou un peu plus sérieux. On va voir comment ça va se concrétiser. Eh bien, il y a des nouveaux projets suite à cette union, des nouveaux projets. Voilà, il y a une protection hein, sur votre couple ou votre prochain couple, enfin celui qui est ou tout frais ou qui est arrivé, qui vient d'arriver. C'est bien de vous qu'on parle. Hein. Il y aura une ascension. Il y aura un choix à faire par rapport à ne pas tomber dans le ravin. Soit on fait tout le contraire de ce qu'il faut faire, soit on fait tout bien et on ascensionne. Si vous faites des erreurs, il risque d'y avoir des complications. Il y aura les amis qui seront là pour vous aider. Alors, on va recouvrir la carte du ravin, parce que voilà, je ne l'aime pas trop, celle-là. On va en prendre une. Et c'est par rapport aux enfants. Vous avez peur de faire des erreurs par rapport aux enfants. Ne vous inquiétez pas, les erreurs, ça arrive. Il n'y a rien de bien méchant pour ce jeu-là. Donc, j'espère que ça vous correspond. Vous savez, prenez ce qui vous intéresse et laissez le reste. Ce sont des guidances générales. Et on va regarder avec le jeu de la loi d'attraction ce qui va se passer pour vous. 1, 2, 3 et 4. Alors, eh bien, il y a une rencontre pour certains d'entre vous, peut-être beaucoup d'entre vous. Beaucoup de personnes se rencontrent. C'est la période estivale, j'ai envie de dire. Il y a croire aussi, croire que votre souhait se matérialise. C'est une belle rencontre, mais des fois, vous n'y croyez pas. Donc, essayez d'y croire un peu plus. Pour ceux qui n'ont pas encore rencontré la personne, visualisez. Visualisez la vie que vous voulez, visualisez la relation que vous voulez. Et puis ensuite, une fois que vous avez visualisé, demandé et fait comme si vous l'aviez déjà, eh bien, lâchez prise. Et c'est quand on lâche prise que souvent, eh bien, la vie nous envoie et on reçoit ce qui nous est dû, entre guillemets. Alors, on va prendre l'oracle de l'intuition, pardon. Et après, on prendra l'oracle des symboles de vie. Alors,
Alors, on nous dit de laisser vraiment ce dont on n'a plus besoin, on s'en libère. Hein, on laisse tomber les choses qu'on n'a plus besoin. Vous voyez, il y a une fin sur quelque chose. Il va falloir faire trancher, faire des choses, des choix, décider certaines choses. Il y a une union. Il y a peut-être, en lien avec une union, peut-être des amitiés qu'il faudra peut-être mettre fin par rapport à des relations passées. Quand vous voulez tourner une page, c'est difficile de tourner une page quand on est toujours dans l'ancienne vie, hein, toujours avec des relations anciennes. N'ayez aucun doute sur votre relation, c'est une relation qui va aboutir et qui est très très, dont vous pouvez avoir confiance, vous pouvez faire confiance. Alors, on a l'hiver. Alors, l'hiver, c'est peut-être des moments de blues que vous avez, des moments de tristesse, d'angoisse, des choses comme ça. Hein, vous avez peut-être des choses... voilà, c'est pour ça qu'on vous parle de l'automne, de laisser tomber peut-être cet état d'être. Quand vous n'êtes pas bien, peut-être vous êtes vous écoutez trop. On vous dit qu'il y a un accord, il y aura un accord positif pour tout ce que vous allez faire, entreprendre cette semaine. Alors, l'oracle des symboles de vie. Et voyez, les doutes qui reviennent. Alors, éliminez les doutes. Ça, c'est vraiment un message qu'on vous dit cette semaine. Éliminez les doutes. Faites toujours de votre mieux et avancez. Parce que si vous êtes dans le ressentiment, etc., ça vous crée des doutes, ça vous crée un mal-être. Votre vraie nature, c'est de ne pas avoir de doutes. Souvent, on se met des stress, du stress pour rien. Tout ça est de bon augure. Tout ce qui vous arrive aujourd'hui en ce moment, c'est une très très bonne chose. Vous avez aussi besoin d'air, de prendre l'air, de respirer. Et vous avez aussi envie d'été. Ben, profitez de ces beaux jours tant qu'il y en a. Je ne sais pas où vous êtes en France. Moi, je suis à Bordeaux, par exemple. Il fait assez beau, mais on a eu beaucoup de pluie et puis beaucoup de froid. Hein. Ça, c'est le froid, c'est très très pénible. Voilà les amis, je vais vous laisser poser une question et on va voir une réponse angélique. Alors, réponse angélique. Posez une question. La réponse est oui. Oui à votre question. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez liker, commenter, partager. Je vous laisse vous inscrire au soin énergétique collectif de mercredi soir, le soin énergétique de l'archange Michael pour la protection et l'amour. Donc, en participation libre, vous m'envoyez un mail et je vous dis la marche à suivre. Et puis, pour les habitués, c'est comme d'habitude. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.